En ce début d'été, le Chéran semble bien paisible. Il a pourtant une histoire tumultueuse. Elle remonte à l'époque où la roche était prisonnière des glaciers, il y a plusieurs milliers d'années. Pour aller à la rencontre des forces géologiques qui s'exercent ici, il faut enfiler une combinaison et s'équiper d'une lampe frontale. Direction la grotte de Pré-Rouge pour une découverte souterraine du travail de l'eau. La première partie de l'exploration, les enfants partis en éclaireur, se fait sans risque particulier, mais pas sans quelques frissons. En fait, on appelle ce plan d'eau le lac des touristes. Parce que généralement, les personnes qui se baignent au bord du Chéran l'été, ils viennent avec une petite lampe et ils viennent jusqu'ici admirer ce plan d'eau. La suite de la progression n'est pas pour les touristes. Elle devient rapidement sportive, 800 mètres de long qui débute par un boyau étroit dans lequel il faut ramper. Claustrophobe, s'abstenir, on comprend alors pourquoi Mathieu, le guide spéléologue, nous avait demandé de venir avec un rechange complet. Là, tu te mets sur les fesses, tu te retiens par la corde et tu descends. Pour Maëlys et ses copains, jouer les acrobates sous terre ne pose pas de problème. L'excitation du moment compense la peur de l'inconnu et le décor se révèle magique sous la lumière des lampes frontales. Les veines de glace ont laissé sur la roche des sculptures impressionnantes. Ce qui est intéressant dans cette grotte, c'est qu'elle a enregistré un petit peu toute l'évolution du massif des Bouges. Les glaciations, le creusement de la rivière du Chéran et du coup... À l'intérieur, on va trouver des roches, des minéraux, des cristaux de calcite. Et là, tu montes sur ta gauche. La progression est toujours physique. Les boyaux et les salles s'enchaînent, les muscles s'échauffent. Mais la rivière fait vite baisser la température. L'eau de la piscine est à 6 degrés. Les petites galeries sont plus jeunes, quand le Chéran a été envahi par un lac. Les galeries plus grosses sont un peu plus vieilles, un peu plus en hauteur. Et les concrétions, les cailloux qu'on trouve, des cailloux erratiques, des blocs de granit, etc., racontent aussi l'histoire glaciaire du massif des Bauges, où les glaciers du Rhône, de l'Isère, venaient jouer une chose importante dans l'histoire de la rivière du Chéran. Le réseau de galeries, une cinquantaine de kilomètres connus à ce jour, n'a pas encore été totalement exploré par les spéléologues savoyards. Pour nous, il est temps de rentrer en empruntant les toboggans naturels façonnés par la rivière en crue et les marmites creusées par les courants. Un voyage au centre de la Terre qui laisse des souvenirs indélébiles à la sortie de la grotte. Ça semble unique, ça semble magique, c'est complètement féerique. Enfin, en tout cas, en tant que femme et quand on a des rêves de petite fille, c'est avec la petite lumière, c'est vraiment féerique. Enfin, c'est à voir. C'était... compliqué, mais après ça allait mieux parce que on a refait le retour et du coup ça allait, je savais comment faire. Maëlys et ses amis pourront dire maintenant, à 10 ans, qu'ils savent exactement par quel chemin complexe passe l'eau du Chéran.